Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme. Donc on va pas faire de tour de cartes aujourd'hui. Et vous allez voir, ce tour est vraiment très impressionnant et la méthode est vraiment géniale. Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'une feuille blanche, format A4. Vous pouvez prendre n'importe quel format. Mais je vous conseille de prendre ce format-là et d'un marqueur, tout simplement. Et vous allez plier votre feuille devant votre spectateur. Vous allez dire que on va plier la feuille en 9. Donc on va plier devant le spectateur. Ceci. Alors je vous explique en même temps comment ça se passe. Donc, faut pas que ce soit parfait le pliage, hein, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et ensuite vous allez plier de l'autre côté, comme ceci. Voilà, vous appuyez bien sur les bordures et vous finissez comme ça. Et celui-ci comme ceci. Voilà. Et vous dites à votre spectateur qu'il va devoir penser, alors soit à des acteurs qu'il préfère, ou des actrices, des chanteurs, des chanteuses, des plats culinaires, des films, ce qu'il veut. Donc imaginons, il va choisir des plats culinaires. Et donc vous allez lui demander de penser à un plat qu'il préfère, d'accord? Et il va penser à d'autres plats qu'il n'aime pas du tout, d'accord? Donc, pendant que vous découpez, vous lui demandez de réfléchir et vous allez découper en long comme ceci. Donc, si vous avez bien marqué vos pliures, il n'y a pas de souci pour couper la feuille. Vous continuez. Donc, il réfléchit. Et vous allez mettre cette partie-là, celle du milieu, en dessous. Vous récupérez les papiers comme ça, vous égalisez. Vous continuez à découper les trois en même temps. Et vous dites à votre spectateur, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez choisi votre plat préféré? Et là, vous mettez ce paquet-là en dessous. Vous récupérez l'état comme ça et vous déposez toutes les feuilles comme ceci. Et donc là, le carré du milieu, ici, se retrouve tout en dessous, d'accord? Donc vous égalisez, vous retournez tout le tas. Et là, vous allez dire à votre spectateur, allez-y, si vous avez choisi, vous allez écrire le plat que vous préférez ici. Et ensuite, vous allez écrire les autres plats que vous n'aimez pas trop sur les autres feuilles, d'accord? Donc là, vous vous retournez, à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va écrire. Et donc, imaginons son plat préféré, il va dire, c'est hamburger. Donc vous ne le savez pas, vous avez le dos tourné. Vous lui demandez de mettre ce papier de côté, de le retourner, pour pas qu'on voit. Ensuite, il va écrire les plats qu'il n'aime pas trop, donc il va écrire couscous, choucroute. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire sur toutes les feuilles, mais le mieux c'est d'en faire au moins quelques-unes quand même. On va mettre quoi? Épinards. On va mettre ravioli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre plat qui est pas super bon? Les choux de Bruxelles. On va mettre la ratatouille. Et là, on va mettre un dernier. Après, on va arrêter. On va mettre bœuf bourguignon. Allez. Bœuf bourguignon. Une fois qu'il a écrit sur toutes les feuilles, ce que vous lui dites de faire, c'est de mélanger donc tous les papiers. Vraiment de tout mélanger. Et donc là, il nous est impossible de savoir quel plat il préfère parmi tous ceux qu'il a écrit, puisqu'il mélange, on avait le dos tourné, on ne pouvait pas savoir. D'accord? Et vous allez voir, c'est génial. Vous récupérez tous les papiers, vous les égalisez. Et là, vous dites, vous vous retournez, hein, vous reprenez les feuilles en main, vous dites à vos spectateurs, voilà, on va regarder ensemble ce que vous avez écrit. Et vous allez déposer les plats un à un, comme ça, vous allez dire, ok, vous avez choisi bœuf bourguignon, choux de Bruxelles, et vous déposez toutes les feuilles comme ceci. Et vous allez voir qu'on va savoir, on va pouvoir savoir sur quelle feuille il a écrit. Et le procédé est vraiment super bien trouvé. Donc vous énumérez tout ce qu'il a écrit et vous êtes capable à cet instant-là de savoir ce qu'il préfère comme plat parmi tout cela.
Comment c'est possible? Et bien c'est grâce au pliage et au découpage. Je vous explique, c'est super. Vous allez avoir à chaque fois où vous aurez un côté ou deux côtés intacts qui n'ont pas été découpés. Donc par exemple, si je prends celui-ci, je vois que de ce côté-là, il a été découpé. Là aussi, et pas là. D'accord? Et vous aurez des fois des carrés avec deux côtés non découpés. Donc j'essaie d'en trouver un. Voilà, par exemple, ici, le bœuf bourguignon, vous avez un côté qui est très net. Pourquoi? Parce que c'est le côté de la feuille qui n'a pas été découpé. Et là, vous avez deux côtés découpés. D'accord? Donc vous aurez soit un côté très net ou deux côtés très nets. Et donc, comment savoir que c'est le hamburger qu'il a choisi? Et bien, comme c'était le papier du milieu, d'accord? Vous lui avez donné le papier du milieu, mais lui, il ne le sait pas. Et bien, c'est le seul papier, à cause du découpage et du pliage, qui a les quatre côtés découpés. Voilà, tout simplement. Et donc, ça se voit très facilement en déposant les papiers. Je vois très facilement que ce côté, il est découpé, il n'est pas net. Celui-ci, il est découpé, il n'est pas net. Ce côté-là et ce côté-là. Et ça sera le seul. Ça sera la seule pièce, la seule feuille du milieu qui aura les quatre coins découpés tout simplement. Et donc il vous sera très facile de découvrir le mot choisi, le plat choisi, en l'occurrence hamburger. D'accord? Après, à vous de faire la révélation que vous voulez, mais en un coup d'œil, vous saurez exactement lequel il a choisi. Et ça, vous le saurez quand vous allez distribuer les papiers un à un, qu'il aura mélangé. Vous dites, voilà, vous avez choisi le bœuf bourguignon. Vous allez choisir ratatouille et là vous voyez tout de suite les bords qui sont nets ou pas. D'accord? Et donc voilà, c'est ça le secret, c'est vraiment génial. Donc j'ai découvert ça sur une chaîne de magie YouTube qui a été présentée. Le tour a été présenté par Gaëtan Blum, que j'adore. Voilà. Je fais un petit coucou au passage si il me regarde. Et c'est vraiment génial. Donc je vous l'explique pourquoi? Parce qu'il l'a expliqué. Donc je pense que je peux l'expliquer. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème, mais je pense pas, puisqu'il a donné la solution. Voilà, c'est un très bon tour, je ne le connaissais pas et c'est vraiment excellent, c'est impromptu. Il vous suffit juste d'avoir une feuille et là je vous promets que votre spectateur ne va pas comprendre comment vous avez fait pour trouver le mot. Donc le mieux c'est d'emprunter une feuille blanche à quelqu'un, d'accord? Parce que sinon si vous sortez une feuille blanche, il pourrait croire que vous avez fait un marquage sur la feuille ou quoi que ce soit. Mais le fait d'emprunter une feuille à quelqu'un, ça enlèvera tout soupçon autour. Donc voilà, c'est un petit tour de mentalisme vraiment très sympa que je voulais vous proposer, que j'ai aimé, donc voilà, je voulais vous le faire partager. Je ne sais pas si vous connaissez ce tour déjà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. A très bientôt, merci à vous, bye bye.